Quelles sont les expressions bien orthographiées? 1. On n'entend rien. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Deux. On n'entend rien. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Trois. Il se promenait ça et là dans le parc. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Quatre. Elle voyageait ça et là à travers le monde. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Cinq. Il habite sur la presqu'île. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Six. J'ai trouvé cette statue presque entière. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Sept. Il s'est fait enlever les amygdales. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Huit. On voyait sa tête en filigrane. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Neuf. Ce bracelet en filigrane est très joli. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Dix. Pour ce travail, nous sommes bien rémunérés. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Onze. Ils ont entrepris les réparations de la voirie. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Douze. Ils font couper le bois à la scierie. A.
Bien orthographié. B. Mal orthographié. Merci pour ton dévouement. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Le gréement du voilier était tout endommagé. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Ces deux gamines sont insupportables. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Elle se lève tôt comme une paysanne. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. L'atmosphère enfumée de la pièce. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Les alvéoles régulières. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Les alvéoles pas en trompe-l'œil. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Il est fier d'avoir reçu cet insigne. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Les landaus alignés dans le parc. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Des pneus dégonflés. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Les landaus bleu marine. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié.
24. Les soupirails sont fermés. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Vingt-cinq. Les soupiraux sont ouverts. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Vingt-six. Les vantaux. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Vingt-sept. Les vantaux. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Vingt-huit. Les enfants jouent sous les préaux. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Vingt-neuf. Les timbres postes ont augmenté. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Trente. Il a fait des chefs-d'œuvre. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Trente-et-un. Il a lu tous les Jules Verne. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Trente-deux. Il possède trois Picassos. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Trente-trois. J'ai versé 100 f comme art. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Trente-quatre. Ces gâteaux sont de vrais délices. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Trente-cinq. Ces tartes sont de vrais délices. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié.
36. J'ai vécu des amours fous. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Il a vécu de folles amours. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. J'irai te voir à Pâques prochaine. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Pâques fleurie approche. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié. Ce bateau a fait un relâche dans le port. A. Bien orthographié. B. Mal orthographié.